Bonjour et bienvenue sur le site Guitare Improvisation. Sur ce site, je propose différents types de contenus, à commencer par une centaine de pages explicatives sur des sujets divers qui intéresseront aussi bien les improvisateurs en herbe que les improvisateurs confirmés. Ce sont des pages en accès libre qui contiennent des tablatures, des extraits audio, des diagrammes, des fichiers téléchargeables, bref, tout ce qu'il faut pour bien assimiler les principes abordés dans ces pages. Et ce sont des pages accessibles via les onglets du site. Vous trouverez également plusieurs centaines de playbacks qui ont été réalisés par le site et qui sont accessibles sur YouTube. Ce sont des playbacks réalisés spécialement pour l'improvisation, donc pour improviser sur des cadences courantes ou sur des morceaux connus. Et sur ces playbacks, les accords sont affichés au fur et à mesure qu'ils sont joués, donc c'est idéal pour ne pas se décaler dans la grille. Sur YouTube toujours, vous trouverez une série de vidéos intitulée Les astuces de l'improvisateur, dans lesquelles je donne des conseils guitare en main. Ça va de la gamme blues pour les débutants à apprendre le mode altéré petit à petit. Donc c'est très varié et il y a vraiment peu de chances pour qu'aucune de ces vidéos ne vous intéresse. Et pour finir, des cours vidéo beaucoup plus fournis, accessibles via l'onglet vidéo du site. Ce sont des cours payants au tarif de 5 euros. Ils durent entre 30 minutes et 1 heure à peu près et ils contiennent un très grand nombre de documents téléchargeables, donc des playbacks évidemment. Le relevé de toutes les improvisations que je fais dans ces vidéos, des fiches explicatives sur les notions qui ont été abordées dans la vidéo, des diagrammes d'arpèges d'accords ou de gamme pour travailler l'improvisation. Et si vous voulez avoir un aperçu de ces cours, sachez que certains sont gratuits. Il suffit simplement de vous connecter pour y accéder, les visionner et télécharger les documents. J'espère très sincèrement que ce site vous plaira. N'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Et n'hésitez pas aussi à me donner vos suggestions et votre avis, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs.